つの心を合わせたら信じた未来に頑張ろう。シュシュッと参上、参上シュシュッと忍者じゃん。J'espère que ce n'est pas une surprise partie. Oh, 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 parce que tu sais que j'ai horreur des surprises parties. Ah, non, non, ne trichez pas, ne regardez pas. On est arrivé. Maître, on y a apporté les modifications que vous vouliez. Je suis Motodrone, pour te servir, maître vénéré. Joli travail. Ça y est, ça commence. Je parie qu'on va se régaler. Bonsoir à la Terre entière, c'est Stu Star Maker qui vous accueille dans cet endroit merveilleux où les plus beaux rêves deviennent réalité. Totalement talentueux. Candidats ayant tous un potentiel de vedette, mais seul l'un d'entre eux ira à Hollywood pour bientôt y faire du cinéma. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as été un... Vous plaisantez, j'espère? Ne me dites pas que vous regardez ça. Cet endroit a la chance d'avoir une réputation de boutique sportive et pas de salon de télévision. Désolé. Oh. Salut tout le monde. Mais... où est-ce tout? Censuré. Oh. J'en avais assez de le regarder de toute façon. Ça vous plaisait, je croyais. Je t'ai dit que j'en avais assez de le regarder. Pas d'y passer un soir. Racontez-nous ça. Ils cherchent de futures vedettes. Ah. Ce sera nous. On saura dans une semaine. Et qu'est-ce que vous ferez? Hey, on connaît plein de trucs. Oui, mais qui voudra vous regarder? Tu sais, Shane, t'as une jolie voix, tu devrais essayer. Et pourquoi pas? Tu es une grande danseuse. Et moi? Je sais bien jouer du saxophone. Oui, attendez une minute. Vous allez vouloir rivaliser avec nous? Je vais m'entraîner en écoutant la radio. Hé, hey, attends, tu me déposes? C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il lui prend? Et Kelly, est-ce que je peux utiliser ta remise pour jouer? Oh, ils sont tous fous. Tu vois, il ne fallait pas leur dire. Papa, j'ai installé la parabole pour le nouveau satellite. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que c'est? Lis. Le musée d'histoire asiatique. Oui, Cameron. Le musée a découvert quelque chose d'une grande valeur. J'ai convaincu son directeur de me confier cet objet. Ça peut attendre demain? Non, je regrette, il faut tout de suite aller le récupérer. Avant que l'auteur vienne le prendre pour l'utiliser ensuite. Très bien, je résume ce que vous venez de dire. Vous êtes allés toutes les deux dans un musée, c'est bien ça. Attendez, il s'agit bien d'un endroit où il y a des sculptures, des tableaux et tout ça. Je te l'avais dit qu'on aurait dû prendre des photos. On se trouvait justement là-bas, grâce à notre classe de perfectionnement des connaissances des ninjas de l'espace. Mmh. Et on a entendu des choses bizarres. C'était certainement les rouages de leur cerveau qui grinçaient à cause de la rouille. Zurgan, tais-toi, tu l'ouvriras quand tu auras une bouche. Ah là, elle t'a bien eu, là. Ça suffit, taisez-vous. Continue, vas-y. Eh bien, on entendait quelqu'un parler. Il racontait des choses sur une caisse en bois que le musée venait de recevoir et qui contenait, d'après lui... Oui, la boîte est quelque part par ici. C'était dans ce coin-là. Ah. Là, voilà. Et qu'est-ce qu'elle contient? J'avais espéré la prendre de votre part. Il n'y a qu'une façon de le savoir. Laissez-moi deviner, vous vous êtes perdu? Non, c'est juste égaré. Oui, on a le droit quand même. Il n'y a plus de place pour Perry. Je ne suis plus que moi maintenant. J'ai été ramené à la vie par le tout-puissant Lothar. Eh bien, j'en suis très heureux pour toi, mais je dois vous laisser. Non, c'est cette caisse que tu dois laisser. Non, désolé.
je partirai avec. Ouais, mais il vous faut... Pardon. Ah, il est vert de jalousie, on dirait. Non. Hein? Je suis vert, c'est tout. Et il y en a d'autres que vous qui ont des talents cachés? Oh, et quel est le tien? Si je vous le dis, il sera plus caché. Papa, je l'ai. Tu as quoi? J'en sais rien. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Non, en cas d'urgence seulement. Ce qu'il y a dans cette caisse est beaucoup trop puissant pour être utilisé n'importe comment. Résumons la situation. Vous revenez sans ce que je voulais, et au contraire, vous ramenez cette chose qui se trouvait là-bas. Et vous voulez la joindre tout simplement à mon armée. Oui, on a pensé qu'il pourrait t'aider de son mieux. Il est plutôt du genre à faire peur aux enfants. Mais qu'est-ce qu'il sait faire? Pour faire partie de mon armée, il faut avoir un pouvoir spécial. Oh, mais il sait très bien se maquiller. Et puis franchement, qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive de mal? Après tout, il perd son combat, il revient plus grand encore. Il repère le combat suivant, il revient plus grand. Il perd un combat encore, il revient plus grand. Oui, je connais la formule. C'est bon, je lui offrirai une chance. Mais s'il ne sait pas la saisir, je vous ferai expédier dans un trou noir avec le grand espoir de ne plus jamais vous revoir. C'est compris? Et d'étranges créatures ressemblant à des loups ont été aperçues dans la forêt s'étendant autour de Blue Bay Harbor. Tant que les autorités ne seront pas certaines d'avoir sécurisé la région concernée, les citoyens sont priés de rester à l'intérieur des limites de la ville. Tu as entendu ça? C'est bizarre. Tu parles de cette histoire de loups? Oui, alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est là une mission pour les Power Rangers, qu'est-ce que tu en dis? Ouais, voilà. Ils n'ont toujours pas été repérés? Non, pas pour l'instant. Pourtant, ils doivent se trouver là. Oui, ça vaut la peine d'aller patrouiller. Mmh. Et où sont les autres? Ils travaillent leur talent secret pour l'instant. Mmh. Ils sont malades. Attendez, voilà quelque chose. Là, regardez. Ils doivent être tout prêts. Oui, ils sont tout autour de nous. Je crois qu'il va falloir employer la manière forte. Qu'est-ce qu'on attend? Prêt? Oui! Ferrer Ranja! Fureur Samouraï! Honneur Ranja! Pouvoir des Ninja Rangers! Ya! Quelqu'un a une idée géniale? Surtout qu'il n'hésite pas! On pourrait demander une pause café! T'as pas mieux? On est là! Ça va changer! Oui, bravo! Vous arrivez bien!
avait peur du tonnerre? C'est lui que j'ai vu. Il était là-bas. Ouais, à ce musée. Mais ce n'était qu'une statue. Et qui c'est exactement? Shimazu, un ancien seigneur de guerre. Ce que Kam a vu, c'est son esprit qui a été conservé à l'abri pendant des siècles dans un ancien masque qui a été sculpté à son image. Et qu'est-ce qu'il a à voir avec ces créatures monstrueuses? Shimazu était connu pour terroriser les populations des petits villages avec des loups féroces qui lui obéissaient. Et alors cet ancien guerrier et ses affreux loups ont réapparu à Blue Bay Harbor, c'est ça? Comment c'est possible? Je pense que la forte énergie utilisée pour ramener Motodrone à la vie y a ramené aussi Shimazu. Oui, alors ça veut dire qu'on se retrouve avec un combattant qui nous est très hostile. Et ces trois monstrueux loups qui terrorisent la ville. Sans oublier le tort. Tu veux nous tuer le moral ou quoi? La remarque de Dustin est pertinente. Si Shimazu a bien été ramené à la vie par Motodrone, il n'y a aucun doute à avoir. Il se trouve forcément avec l'auteur. Alors? Il y en a quand même là-dedans? Qu'est-ce que tu as à me dire pour ta défense avant de recevoir ton châtiment? Est-ce qu'il parle au moins? Ah, ça, on ne le sait pas. Après ça, il parlera. En réalité, ce n'était qu'un test. Il parle même très bien. Ton guerrier moderne possède de très grands pouvoirs. Et mes loups sont de grands combattants. Je pense qu'en unissant leurs forces, on peut battre n'importe qui. Voilà une attitude de combattant. Motodrone, prépare-toi à aller te battre. Oui, je pense que c'est une bonne solution. On ne veut pas connaître ton avis. Fais ce que je t'ordonne. Alors? Aucun signe de Shimazu, mais j'ai Motodrone sur le scanner. Il est à moi. Et vous, cherchez les trois loups et leur maître. On va fouiller la ville. Et moi, je superviserai les événements. D'accord. Prêt? Oui. Gérard, déjà. Pouvoir tonnerre. À moi. Homer Ranger. Ya. Pouvoir de la terre. De l'air. Et de l'eau. Pouvoir du tonnerre. Bienvenue dans ton pire cauchemar, Ranger Pourpre. Tu te souviens de moi? Comment peut-on oublier une tête pareille? Attends un peu. Tu ne me fais pas peur. Tori, Dustin, je vous ai sur mes écrans. Les trois créatures sont tout près de vous. Oui, pour être prêts, elles sont prêtes. Comment est-ce qu'elles font pour être aussi laides? Je préviens les autres. Shane, Blake, Tori et Dustin ont besoin d'aide. Compris. T'as entendu? On y va. Allez, couchez. À la niche, allez. On arrive à temps. Oui, ouais, bravo. Les combinaisons nous protègent des morsures. Heureusement que ce ne sont pas des vampires. Hé, hey, regardez. Oh, ce sera difficile pour vous, Power Ranger. Vous devriez pourtant savoir que les loups sentent la peur chez l'homme. Et regardez-les, vous les avez mis dans un état de frénésie totale. Celui qui devra avoir peur ici, c'est toi. Et où tu as trouvé ce déguisement ridicule? Pourquoi est-ce que j'aurais peur d'enfant? Vous avez entendu ça? Il nous a traités d'enfants. On va lui montrer. Oui. En avant. Jolies chaussures. Ils font les mêmes pour hommes. J'arrive, Shane. Prenez ça. Ça se passe pas très bien. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Et pour commencer, à respecter tes anciens. C'est aussi valable pour tous tes petits camarades. Lâche-le! Oh, vous voudrez! Tu tiendras le coup? Mais ce n'est pas terminé! Ces minables petites ruses pour fuir sont indignes de vrais guerriers! Vous ne rêvez pas! Vous ne pourrez pas m'échapper! Je vous retrouverai! Autoplane, tenez! Hunter, tu m'entends? Réponds-moi!
Je t'entends, ça va, mais ma pauvre moto n'est plus qu'un tas de ferraille. Tu peux m'indiquer où se trouve Motodrone? Il n'est plus là. Je le cherche. J'ai repéré Motodrone à la plage, mais les loups sont juste au-dessus de vous. On va s'occuper des sacs à puces. D'accord, je pars tout de suite à la plage. Bonne chance. Cette fois, tu m'échapperas pas. Je crois que tu te surestimes beaucoup. On va voir ça. Vous feriez mieux de retourner à la niche. De muselière. Où est la fourrière quand on a besoin d'elle? C'est encore vous? Hein? Vous commencez à sérieusement m'énerver. Tu ne pourras jamais me battre simplement avec tes poings. Alors, tu me laisses pas le choix. Prépare-toi à affronter le combattant suprême. Yeah! Ma mère. Qu'est-ce que tu dis de ça? Combattant suprême volant. Tu fais un peu archaïque. Quoi? Torrent de feu laser. Feu. Tu t'avoues vaincu? Peut-être pour cette fois, mais on se reverra. Il nous faut absolument un plan. Oui, tu as raison. On ne réussira pas à les battre comme ça. Quelqu'un a une idée? Oui, suivez-moi. Vite! Je vais les attirer. Petit, petit, petit. Vite, dépêchez-vous de tirer. Oui. On les a touchés. Oui. Mais comme je le craignais, Shimazu nous a prouvé que c'était un redoutable adversaire. Oui, c'est vrai. Les trois loups étaient vraiment terribles. Ouais, on est loin d'en avoir fini avec eux. Regardez. Non, c'est pas vrai. Mais comment on va